Erev Tov Lekulam, et on revient donc dans notre étude du livre de Shemot, toujours Parashat Kitissa, en fait au chapitre 34, verset Aleph, page 157 effectivement pour les livres blancs. Ça y est, la faute a été pardonnée. Ça y est, c'est bon. Vasiroti et kapi veraiti et achorai upanai lo yeraou, c'est la fin de l'histoire. Alors on se rendra compte quand même qu'il y a une petite différence. Vous vous rappelez que Moshe a demandé plusieurs choses. Il a demandé à Renina et Derachecha, d'accord ? Et il a demandé également à Renina et Kevodecha. C'est-à-dire qu'il a demandé d'un côté. Pardon ? Continue. Page 157. Merci. C'est bien. Bekitsour, donc il a demandé à Renina et Kevodecha, et ça, on va voir que ça ne va pas être évident, cette histoire, du tout. Au départ, Moshe a dit à Ribono Shel Olam, Vedaacha, Ani Rotze la date otra. Comment on fait ? Eh bien, il lui avait dit, tu vas te mettre Benikra Tatsour, on a expliqué la semaine dernière la notion de understand, d'être à l'intérieur, en dessous du dévoilement. Et là, maintenant que, a priori, la faute a été pardonnée, alors il faut terminer le Mahalach, le processus du don de la Torah. Vayomer Hashem el Moshe. Psol lecha shnei luchot avanim karishonim. C'est très bien. Donc elles ne sont pas du tout comme les premières. Il lui dit... comment on dit psol grave, sculpte, ouais, sculpte, c'est mieux. Sculpte deux tables de pierre comme les premières. Quoi ? Les premières, qui les avait sculptées ? C'est Dieu. Il y a donc une différence fondamentale entre les premières louchot et les secondes. Les premières étant totalement divines, donc vachement mieux. Le problème, c'est que ce n'est pas du tout la même gravure, puisque d'une part c'est une gravure divine et l'autre c'est une gravure humaine. Non. Alors la gravure, on va voir qu'elle est toujours la même. Mais qui amène le matériau sur lequel on grave ? Eh bien, dans les premières, c'était ça vient de Dieu, tout vient de Dieu. Ici, Dieu dit à Moshe, amène-toi l'étable. Psol lecha shnei luchot avanim karishonim vechatavti ala luchot et advarim asher hayu ala luchot harishonim asher shibarta. C'est-à-dire, je vais écrire, dit Dieu, moi j'écrirai sur les louchot comme j'ai écrit sur les premières. C'est-à-dire, j'écrirai la même chose. Donc la gravure est la même. Mais il y a maintenant une participation de l'homme au dévoilement divin. Ce qui rend les deuxièmes louchot beaucoup moins éloïot, beaucoup moins divines, mais beaucoup plus grandes pour le dévoilement divin. Puisque l'homme est capable de participer. Dans les premières louchot, l'homme est un spectateur. Alors que là, il devient un acteur du dévoilement. Donc, qu'est-ce qui est mieux ? Les secondes. Donc, ça veut dire que... parce que l'homme est acteur. Dès le début de la Torah, du Bereshit, Dieu a voulu faire de nous des shutafim, des partenaires dans la création du monde, dans le dévoilement divin. Puisque Kivo Shavat Mikol Melarto Ashavara Elohim La Asot, c'est à nous de jouer maintenant. Donc si maintenant la Pisga, le sommet, l'idéal du dévoilement divin, l'homme n'y participe pas, ben on a tout raté. Donc les deuxièmes tables sont évidemment plus fortes que les premières. Mais pour qu'on ait les deuxièmes, il fallait qu'il y ait les premières et qu'on les brise. Donc ça veut dire que on peut voir l'histoire de deux manières différentes. Soit on voit l'histoire de manière rectiligne, en disant, bon bah l'idéal c'est les premières, mais finalement on les a cassées parce qu'il y a eu la faute du Vaudor, et donc bon bah on a un compromis, on a les secondes. Ou alors tu connais la fin du film, et alors à ce moment-là tu dis que les secondes sont l'idéal, et donc il fallait un brouillon. Et le brouillon c'est les premières. C'est gros de dire que le brouillon c'est la chef qui l'a fait. Au contraire. S'il y a bien une personne qui peut faire le brouillon pour nous montrer ce qu'il faut faire, c'est bien Dieu. Oui, mais un brouillon, c'est pas parfait. D'accord. Donc, dire que ce que Dieu fait, c'est pas parfait, c'est...
Ben, tu le dis à chaque Brit Mila. À chaque Brit Mila, tu dis à Dieu, le corps que tu as donné, il n'est pas parfait. Tiens, la preuve, je vais enlever un petit bout. D'accord ? Donc, ça veut dire que la perfection s'atteint grâce à la participation de l'homme. Je te vois froncer le sourcil gauche. Non, c'est bon ? Ça va ? Veyé nachon la boker. Ve'alita ba boker el arsinaï. Question ? Ah ben. J'avais bien dit. Si le corps n'est pas parfait, alors pourquoi il n'y a pas un équivalent pour les femmes ? Ah, parce qu'elles, elles sont parfaites. La Torah est donc féministe ? Ben évidemment. Évidemment. Je pourrais te dire de manière très simple que Bichlal, pour avoir un bébé garçon, il faut une femme. C'est d'avoir Rishon. D'avoir Sheni, celui qui va avoir le rôle actif de construire des choses dans le monde, à l'époque, c'est l'homme. L'homme est beaucoup plus actif que la femme dans les générations de l'époque. Tu vas me dire, ok, mais alors aujourd'hui on y va. Alors, la Brit Mila est sur le côté de celui qui va avoir la notion de actif. Et donc, ça sera sur le masculin. Mais de toute façon, qui va être rattaché à ce garçon qui vient de naître ? C'est sa maman. C'est-à-dire que beaucoup plus que le père, la mère est rattachée à l'enfant, puisque, eh bien, elles sont liées par toutes les halakhot de Yoledet entre elle et le petit garçon, et non pas entre papa et le petit garçon. C'est-à-dire, donc, nachon, les filles, elles sont d'un niveau beaucoup plus élevé, qu'elles n'ont pas besoin de devoir parfaire leur création, elles sont déjà parfaites comme ça. Kirtono. Et elles nous apprennent, à nous, garçons, comment devenir parfaits. Si on les écoute. C'est une des raisons pour laquelle la Torah d'ailleurs dit que la femme donne le sang et les muscles, et l'homme donne l'intelligence et le cerveau, je crois, quelque chose comme ça. Je ne connais pas cette Torah-là. Mais peut-être tu as une Torah qui est différente. Je ne connais pas. L'idée. Veyé nachon la boker, ve'alita ba boker el har sinai, ve'nitzavta li sham al rosh ahar. ואיש לא יעלה עמך, וגם איש אל יירא בכל ההר, גם הצאן והבקר, אל יראו אל מול ההר ההוא. On est quand là? On est quel jour? Non, là aujourd'hui on est Yom Rishon, mais on est quel jour dans l'histoire? Quelle date? Premier Eloul. Le premier Eloul. 40 jours depuis le premier, le Sissivan, jusqu'au 17 Tammuz. 40 jours de Slicha entre le 17 Tammuz et Rosh Chodesh, le 17 Tammuz et Rosh Chodesh et Loul. Et maintenant, il repart. Une petite question, tu peux me confirmer si la récitation des Slichot, on l'a fait à cause de la faute du Vaudor ? Non, on ne l'a fait pas à cause de la faute du Vaudor. Les Slichot, c'est pour demander pardon. Ah, c'est pour demander pardon. Slicha, ça veut dire pardon. Donc, on demande pardon. Pour la faute, quelle qu'elle soit. D'accord ? Vaïfsol ! Le temps de la grave, qu'Hachem dit à Moshe de préparer des tables, je grave, ça a été fait dans la journée, puis il est descendu. Non, à four. Ça a été fait dans la journée, il est monté. Il grave en bas. Enfin, il grave pas, il prépare les tables en bas. Et après, il monte. De grimper avec les tables en plus. Voilà, saute. Ça y est ? Vaïf sol, on t'a pas dit quelle épaisseur avait les tables. Je sais pas, c'est pas 6. 6 par 6 6 tfachim. Oui, mais je ne t'ai pas parlé d'épaisseur. Là, on parle de longueur et de largeur. Je te parle d'épaisseur. Si c'était pas très épais. Ça va ? Ça ? Vaïf sol, shnei luchot avanim karishonim, vayashkem moshe baboker. ויעל אל הר סיני כאשר ציווה השם אותו, ויקח בידו שני לוחות אבנים. זה מרקי נוח שום לא, משה אילה מי אין פלס לטאבל, אילה זפחי אבק לי דנסון סק, אילה מוטה. וירד השם בענן ויתייצב עמו שם. מה זה? דיו היא דיסנדו. זה כאילו שאני רפא לנברסי. וירד השם.
Ça nous rappelle au tout début de Bereshit, dans l'histoire de Migdal Bavel. Il y avait marqué là-bas, Vayered Hashem lirot et ha'ir ve et ha'migdal. Dans toutes les cultures, on a l'âge d'or où les dieux étaient présents sur terre. Cette dimension de Vayered Hashem. Alors eux, ils l'ont traduit de manière idolâtre. Mais chez nous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est à un niveau de dévoilement où on peut presque voir la symbiose entre l'éternité et le cholef, entre l'éternité et ce qui disparaît. On peut presque voir la connexion entre l'émanant et le transcendant. Vayered Hashem ba'anan vayitiyatsev imo sham vayikra b'shem Hashem. Mi kore. Vayikra b'shem Hashem. C'est qui parle là? Le narrateur. Oui, mais c'est qui? C'est Dieu. Qui va maintenant dire les versets de Yud Gimel Midot Arachamim? C'est Dieu. Donc c'est Dieu qui est Koré Beshem Hashem. Pourquoi? Parce que maintenant on va apprendre à Moshe comment se connecter à Dieu en matzav, en situation de faute. Eh bien, ça passera par Midat Arachan. Et donc, Vayikra, Beshem, Yudke Vafri. Ok? Vayavor Hashem al Panav Vayikra. Continue. Vayavor Hashem al Panav Vayikra. Et qu'est-ce qu'il dit? Hashem, Hashem, El Rachum Vechanun. ערך אפיים ורב חסד ואמת נוצר חסד לאלפים נושא אבון ופשע וחטאה ונקה לא ינקה פוקן אבון אבות על בנים ועל בני בנים על שלשים ועל ריבעים פועה Pourquoi est-ce besoin de se définir? C'est bidouk ça. C'est pas pour lui. C'est pour nous. Il nous apprend comment lui parler lorsqu'on demande pardon. Exactement. C'est pour ça qu'on l'utilise. C'est le vaïof qu'on fait à Yom Kippour, on fait tous les jours. Tous les jours. Quand on fait les tachanounim, eh ben, c'est ce qu'on dit. Pas tout le monde. Ouais, les gens qui font pas tachanounim. Si, mais pas le bidouille. Ah, ils font pas le bidouille. Qui ne fait pas le bidouille? Ah ouais? Et il y a qui ne le font pas? Nous, nous. Ils ont rien à faire, pas à se faire pardonner, c'est pour ça. Ça doit être ça, non? Hein? Ça doit être ça, hein? Non, on a demandé au Rafurt. Ah, lui, c'est sûr qu'il n'a rien à se faire pardonner. Normalement, c'est sûr. Lui, c'est un tzaddik, mamache. Pas que les autres, ce n'est pas des tzaddikim, mais lui. Vayavor Hashem al panav vayikra. Hashem, Hashem. Mazé Hashem, Hashem. Pourquoi il a marqué deux fois Hashem, Hashem? Alors, regardez ce que dit Rashi. Alors, c'est Midat Arachamim, mais pourquoi il a marqué deux fois? Il nous dit Rashi, Midat Arachamim hi achat kodem sheyecheta. Parce que tu pourrais penser que Akadosh Baruch Hu a Midat Arachamim avant que tu l'énerves. Mais une fois que tu l'as énervé, il va être Midat Adin. Non. Ani Hashem, Yudke Vavke Midat Arachamim avant la faute, et je suis toujours Midat Arachamim après la faute. Ça sert à quoi avant? Hein? Avant, ça sert à quoi? Ça sert à, de me donner le temps de la mode Badin. C'est pas parce que j'ai pas fauté que je suis forcément bien. Je peux être parvé. C'est-à-dire, donc dans tous les cas, tant que j'ai pas, si tu veux, réalisé mon plein potentiel, j'ai encore des choses à faire. Donc j'ai une Midat Arachamim avant et une Midat Arachamim après. Après on te dit, elle. Et Rashi te dit, Avzo Midat Arachamim. Zegam Midat Arachamim. Vechen omer, Eli Eli Lama Azavtani. Ve El Omar le Midat Adin Lama Azavtani. Kar Matzati Ma Mechilta. Alors pourquoi on a besoin d'une troisième Midat Arachamim, si on a avant, après la faute, eh bien, la troisième dimension de Rachamim, c'est une fois qu'on m'a pardonné. Donc, avant la faute, après la faute, et maintenant que je t'ai pardonné, pour que tu puisses remonter à ton niveau. Rachum. Rachum, c'est Rachamim. Ah. Non, Aval Rachum, c'est dans le comportement.
C'est-à-dire, c'est samitze, si tu veux, c'est dans le long terme. Donc il est aussi rachum ba tvach ha'aroch, dans le long terme. Vechanun, mais chanun, chanina, mais chanina, c'est-à-dire que même si je ne mérite pas tout de suite, la grâce, même si je ne mérite pas tout de suite. Erech ha'paim, mais c'est erech ha'paim. Je lui laisse le temps de faire tchouva. Je lui laisse le temps de faire tchouva. Ça prend du temps de faire tchouva. Il n'y arrivera pas tout de suite. Verav chesed. Ve'emet. Mishe tzarich chesed. Ani noten lo chesedim. Mishe tzarich emet. Noten lo emet. Midat adin. Emet ze din. Notzer chesed la'alafim. D'accord? Parce que HaKadosh Baruch Hu, il se comporte avec nous comme nous on se comporte avec lui. Si nous on fait Milfanav Chassadim, lui aussi il va nous faire Chassadim. Il donne du bien fois mille. Non, je pardonne jusqu'à la millième génération. Là il ne pardonne pas. Noten Chesed, Notzer Chesed, La Alafim. Il fait du bien fois mille. Poken Avon, Avot, Albanim. C'est-à-dire que le bien, je le reporte mille fois sur mille générations, si tu veux, mais ce n'est pas une question de pardon, c'est le bien. Et par contre, la faute sur quatre générations. Ok ? Une fois qu'on a reçu, j'allais dire, la formule magique, ce n'est pas une formule magique, une fois qu'on a reçu la formule qui va me permettre à moi de me rattacher à Kadosh Baruch Hu, il l'a donné à Moshe, Metsuyad, Azine. Vayemaher Moshe, Vayikod Arza, Vayishtach. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, Moshe, il se prosterne? C'est pas la première fois qu'il parle à Dieu. Pourquoi tout d'un coup, il doit se prosterner? Parce que maintenant, à Kadosh Baruch Hu, FOU, ou Baharet. Il lui a donné l'explication de comment on dévoilera Dieu ici. Shem, Shem, El, Rachum, Vechanun, Erech, Apayim. Azun, Vemer, Moshe, Vayikod, Arza, Vayishtachu. Vayomer, Imna Matzatichen, Be'enecha, Adonai, Yelechna, Adonai, Bekirbenu, Kiam, Kesheorefu, Vesalachta, La'avonenu, Lechatatenu, Nchaltanu. Donc là, ici, pour qui il bosse, Moshe? Pour le peuple juif, reste avec nous, sois avec nous, pardonne-nous. Yomer. Am keshe orefu. Yelechna Adonai bekirben. Viens betochen. Viens en nous, sois avec nous. Parce que la faute, tout à l'heure tu m'as dit, j'enverrai un malach. La semaine dernière. Il a dit, sois toi avec nous. Parce que tu connais bien ce peuple, ou am keshe oref. C'est toi qui l'as fait comme ça. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il est responsable de notre entêtement. Mais c'est pas que de notre faute. Vayomer ine anochi koret berit neged kol lamecha eseh niflaot asher lo nivreu bechol haaretz ubechol hagoyim vera kol haam asher ata bekirbo et maaseh Hashem ki noraou asher ani oseh imach. Le secret que je viens de te dévoiler, il est que pour vous. Et les goyim, ils vont voir de loin ce que je fais avec vous. Chazal nous dit que Moshe, il a demandé à Kadosh Baruch Hu plusieurs choses. Et une des choses qu'il lui a demandé, c'est surtout ne dévoile pas le secret aux goyim. Ma les secrets. Le secret de savoir quelle est la véritable raison de leur existence. Arrête, Dieu il a créé des goïms, c'est qu'ils ont un rôle à jouer dans ce monde. Et Moshe il a demandé à Dieu, ne leur dévoile pas. Parce que si Esav savait quel est le émet qu'il y a derrière son identité, il serait trop fort pour nous. Exemple plus restreint, Yetzer Hara Shelcha. S'il savait, et si toi tu savais à quel point le Yetzer Hara, il bosse pour Dieu. Mais tu le laisserais peut-être être dominant.
chez toi. Maintenant, en vrai, c'est vrai qu'il bosse pour Dieu. Mais on t'a demandé de le combattre et de le faire suivre le Yetzer HaTov. Qui l'a créé, le Yetzer HaTov? Donc, c'est qui le patron? Ben, son rôle, c'est quoi? C'est de faire la shlichut d'Akadosh Baruch Hu? De faire la raison pour laquelle Dieu l'a envoyé? C'est une des problématiques du monothéisme. Il n'y a pas de forces qui sont fondamentalement anti-Dieu. C'est-à-dire? Ce que je ne comprends pas, c'est que quand Dieu il a donné les premières tables de la loi aux Hébreux, il n'y avait pas que des Juifs, c'est-à-dire qu'il y avait aussi des Hébreux qui étaient Juifs, et bien, il y avait aussi des Hébreux qui n'étaient pas Juifs. Non. Qui étaient Araméens, Caméens. Non. Il n'y avait plus d'Hébreux qui n'étaient pas Juifs. Puisque les derniers descendants des Hébreux, c'est la famille d'Abraham. Donc, de même après, il y avait que les Juifs. Il n'y avait pas encore de Juifs, parce que tu comprends que la notion de Juif n'existait pas encore. Mais il y avait uniquement les descendants d'Abraham qui étaient à Israël. Et ils n'étaient pas forcément Juifs, parce qu'on ne savait pas ce que c'était le Judaïsme. D'accord. Exactement. Ils étaient Hébreux. Shemor lecha et asher anochi metzavecha ayom. Inneni goresh mipanecha et emori, avakenaani, vahiti, vahperizi, vahivi, vahivusi. Pourquoi on a besoin maintenant de nous rappeler que Dieu il va chasser les peuples de Eretz Kenaan? Ben parce qu'au moment où j'ai fait la faute, j'aurais pu penser que je ne mérite plus la terre d'Israël. Hein, on entend des fois des gens qui disent faut faire son alia, oui peut-être, mais enfin bon, faut faire très attention quand même parce que faire une avéra en Eretz Israël, c'est beaucoup plus grave. C'est vrai ou c'est faux? Quoi? C'est vrai ou c'est faux que c'est plus grave de faire une avéra ici que là-bas? C'est vrai parce que c'est pas. Évidemment que c'est vrai. Non, c'est un peu vrai parce que. Mais c'est pas un peu. C'est complètement vrai. Parce que ça compte pas en foule. Bah parce que d'abord, ça compte moins. Ah non. C'est des rabananes. Pas. C'est des rabananes, c'est pas vrai. Si tu es mérité 100 fois. C'est... Mais non. Tu l'as répété 100 alors fois. Peut-être que tu as mal compris. Alors. Si t'es mechalel Shabbat bechul. Ça compte pas. Et Charles Iskolotra. Et Charles Iskolotra. C'est à ce moment-là que tu vas faire toi. Tu as dit que c'est des rabananes. La Véron, c'est pas des rabananes ou peut-être les mitzvot d'Asse. Non, ça n'a rien à voir. De la même façon que Chachamim nous ont imposé de faire les mitzvot Asse. Ils nous ont également interdit de faire les mitzvot, enfin, ils nous ont interdit de transgresser les mitzvot lotasé. Toute la Torah, elle a été donnée pour Eretz Israël. Ine chukim u mishpatim asher tzivani Hashem Elohai la'asot ken be'kerev ha'aretz. Toute la Torah. Le Sifri nous dit que Chachamim, ils ont décrété que toute la Torah, celle qui n'est pas évidemment flouya ba'aretz, mais toutes les mitzvot qu'on peut faire également en dehors d'Israël, eh bien, on devra les faire quand même. Donc on doit les faire. On doit les faire et on va même te punir si jamais tu transgresses quoi que ce soit. Mais il est évident que leur place, c'est en Eretz Israël, il n'y a même pas de débat. Donc bien sûr qu'une Avera en Eretz Israël, c'est plus grave qu'une Avera à Paris. Mais d'un autre côté, évidemment qu'une mitzvah en Eretz Israël, ça n'a rien de comparable avec une mitzvah à Paris. Et la question n'est pas de savoir est-ce qu'il vaut mieux rester dans la faute, parce qu'être à Paris, c'est quand même... pas ce que Akadosh Baruch Hu t'a demandé. Donc, est-ce qu'il vaut mieux rester dans la faute de peur de fauter ici, ou est-ce qu'il vaut mieux prendre ses responsabilités et devenir fidèle à ton identité? Et faire des mitzvot. Imagine-toi les Juifs en Chutz La'aretz qui prennent tous un somnifère vendredi à 4h de l'après-midi pour se réveiller samedi soir, parce que Shabbat, c'est trop compliqué. T'as tout raté. Ça va? Donc, même après la faute, tu as fait tchouva, et Dieu il te dit, donc tu vas maintenant aller au boulot, Eretz Israël. N'oublie pas, ça fait partie du jeu. Ishamer lecha pen tichot berit le yoshev haaretz, asher ata ba elea pen yelem mokesh bekirbecha. Fais très attention de ne pas faire d'alliance, parce que toi tu dis pas de politique, ça veut dire que tu as compris le verset. Mais il y a des gens qui n'ont peut-être pas compris le verset. Surtout, ne fais pas d'alliance avec les habitants de la terre d'Israël. Les mokesh, parce qu'ils deviendront un mokesh, Bekir Becha. Ils deviendront quelque chose qui va te porter atteinte à l'intérieur de toi.
Évidemment, toute ressemblance avec un cas actuel serait purement fortuite, involontaire, bien évidemment, ou pas. C'est-à-dire, assour la assaut brit. Ah, mais attention, si jamais il y a des goyim en Eretz Israël qui veulent être en Israël sous domination juive, qui acceptent Sheva Mitzvot Bene Noach, qui acceptent que le pays, c'est le pays du Ham Israël, et ils veulent simplement être une minorité nationale tranquille qui se soumet à l'autorité du peuple juif. Zébécédère ou Zélobécédère ? Zébécédère, Gamou ? On appelle ça guerre toshav. C'est pas un converti, guerre tzedek, mais c'est un guerre toshav. Et avec lui, on a le droit de faire des alliances. C'est-à-dire ? Sheila, est-ce que le parti Ram est considéré comme étant guerre toshav ? Non. Je ne pense pas. Ah ben bon alors ? Je ne pense pas. C'est-à-dire, mais bon. Peut-être qu'ils ont une autre lecture. Ah ben, les Druzes, c'est très particulier parce qu'ils sont patriotes. De quoi ? De l'endroit où ils se trouvent. Donc, les Druzes en Israël, effectivement, a priori, ils sont ultra-sionistes. Alors, est-ce qu'ils ont ce type de statut ? Faut voir. C'est pas direct. Mais, disons qu'il n'y a pas de problème de faire des alliances avec les Druzes. Ils sont... Ça n'existe pas la différence entre le politique et le religieux. Ils ont un culte. Ils sont musulmans. C'est ça. Enfin, non. Autant pour moi. Je me reprends tout de suite. Excusez-moi, autant pour moi. Ils sont druzes. C'est-à-dire, ils sont sortis de l'islam. Mais ils sont monothéistes. Donc ça ne nous dérange pas. Ok ? Ils sont sortis de l'islam. Oui, ils sont sortis de l'islam. Ils étaient dans l'islam au moment d'aller. Bah, si, ils étaient dans l'islam. Avant que les druzes ils se créent leur identité, c'était tous des musulmans. Mais il y a à peu près 1000 ans, ils ont créé leur idéologie. Et l'un de leurs prophètes principaux, d'ailleurs, c'est Nabi Shu'aib. Mais c'est Nabi Shu'aib, c'est Yitro. Ils voient Yitro comme étant l'un de leurs prophètes principaux. C'est-à-dire, nous ? Donc, entre l'époque de Yitro et il y a 1000 ans, il y a Yavid. Ah oui, mais évidemment, tu sais bien, on essaie de s'attacher à des choses. Sinon, ça ne marche pas. Pour être des descendants des Madianites. De ? Et Yitro, il n'était pas prêtre de Midian. Ah, de Midianim. Est-ce que c'est les descendants biologiquement? Biologiquement, c'est sûr que non. C'est-à-dire parce que biologiquement, c'est des gens qui viennent de la péninsule à la base, comme tous les musulmans. C'est juste qu'ils ont changé d'idéologie à un moment donné. Donc biologiquement, non. Est-ce que dans l'idée, c'est quand même un peu bizarre. À mon avis, c'est pas... Il ne se revendique pas de lui, si tu veux. Il le voit comme étant un prophète important, mais il ne se revendique pas comme étant ses descendants. Non, bon, faut voir, faut leur demander. Je croyais qu'il le revendiquait, moi. Pas d'être ses descendants. Il se revendique que c'est leur maître. C'est-à-dire, mais... Faut voir. On leur posera la question. Qui est Mizbechotam Titotsun Vet Matsevotam Teshabberun Vet Asherav Tichotun? Ça veut dire quoi, ça ? On doit détruire tout ce qui est leur endroit de culte. Je rappelle que ce sont tous des idolâtres, à cette époque-là, les peuplades de Canaan. Donc oui, on n'a pas le droit de garder l'idolâtrie en Eretz Israël. Zé halakha. Avalilo le maase ayom. Ayala ayom. Par exemple ? Il y a des églises. Ah, voilà. Donc, ça veut dire que d'après la halakha net point sana, il faudrait peut-être détruire le Saint-Sépulcre. Aucun rabbin ne dit qu'il faut détruire le Saint-Sépulcre. Pour plusieurs raisons. La première, parce que tu n'as pas envie de créer une guerre mondiale contre nous. Deuxièmement, parce que tu peux aussi te fier aux avis des rabbanim ashkénazes qui ont dit que le christianisme, ce n'était pas une avodah zara. La preuve, c'est qu'on n'a pas le droit de visiter l'église. Qui a dit ça? Les rabbinim séfarades. La majorité des décisionnaires, pour ne pas dire tous les décisionnaires séfarades, le Rambam en tête, a dit que c'était de la Avodah Zara, la Méhadrin. Mais tu vas trouver chez les rabbinim ashkenazim, tu comprends pourquoi, qui vont être beaucoup plus indulgents par rapport au christianisme, disant que c'est ce qu'on appelle Avodah Zara Beshitouf.
Ben, ça veut dire que les chrétiens, ils disent pas que à la place de Dieu, il y a Baal, ou il y a Anubis, ou il y a Zeus. Ils disent il y a Dieu, mais il y a aussi Jésus. Et puis il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Donc c'est Avodah Zarah Beshitouf, c'est-à-dire qu'ils font une shoot à foot entre Dieu et quelqu'un d'autre. Ce qui est complètement de l'Avodah Zarah. Mais la question qui est émise par certains décisionnaires ashkénazes, c'est de dire, mais est-ce que Avodah Zarah Beshitouf, ça a été interdit aux goyim? Et il y a un safek là-dessus. Donc s'il y a un safek, on va quand même pas tout détruire. Ah, donc tu dis, parce qu'on n'a pas envie de créer des problèmes politiques de... internationaux. Non, je veux dire, c'est pas seulement ça. Une question de Eva, Oui, c'est Eva, c'est ta peur que l'égoïme, il te saute dessus. J'ai dit, on veut pas créer une guerre mondiale contre nous. Tu peux pas exiger de la République française qu'il protège tes synagogues et toi, tu détruis la... Ah, mais on n'exige rien du tout de la République française. Ah non, encore non. Moi, j'exige rien à exiger de la République. Un citoyen qui habite en France, lui, il peut exiger quelque chose du gouvernement qui le protège, mais pas moi. Mais les juifs de France. Là, le Rav Benishai, tout à l'heure, a répondu dans une question qu'on lui a posée. Il a dit, moi, je dis la France aux Français. La France aux Français. Bon, parce que quelqu'un lui a demandé, est-ce que c'est bien que les Français en Israël, ils votent pour un juif qui se présenterait ou machin. Il a dit, mais la France, c'est pour les Français. Donc, le juif qui a décidé de venir en Israël, qu'est-ce qu'il en a à faire? C'est ça? Maintenant, tu me dis, il y a plein de choses qui vont... Barour les Koulam, c'est évident pour tout le monde, qu'aujourd'hui, personne ne va dire qu'il faut détruire les églises. D'autre part, on pourra citer également le livre de Jean Vassal, qui disait, et qui dit dans son livre, qu'il y a peu de choses que le christianisme doit faire pour faire tchouva et pour que les églises deviennent les porte-parole de la parole d'Israël dans le monde. C'est bien l'église si ça peut faire tchouva et devenir le cli par lequel on va dévoiler la parole de Amisraël. Donc il n'y a que trois choses qui doivent faire les chrétiens pour faire tchouva. D'abord, ils doivent arrêter leur émouna dans Jésus. Deuxièmement, ils doivent arrêter le mythe du déicide, de dire qu'on a tué Dieu ou quoi que ce soit. Et troisièmement, ils doivent arrêter avec la Trinité. Après, c'est bon, le reste, on est bien. C'est qui Jean Vassal? C'était un Ben Noir qui a écrit un livre très intéressant qui s'appelle, si je traduis bien, enfin je ne traduis pas, c'est en français le livre à la base, « Les églises comme étant le... comment il a dit ?» Le, oh là là, le porte-parole ou un truc comme ça du peuple d'Israël. Déjà, c'est grâce à eux entre autres, que la Bible a été diffusée dans le monde entier. Ça, déjà dans l'histoire, tu dis, ils ont amené plein de choses. C'est narrant. Le problème grave, c'est que si on détruit l'église et qu'on a peur que les goyim nous tombent dessus, cela signifie qu'on ne sont pas les vrais maîtres de ce pays. Non, ça veut dire qu'il y a une réalité géopolitique qui est ce qu'elle est. C'est pas qu'on n'est pas les vrais maîtres, c'est qu'il y a une réalité qui est ce qu'elle est. Maintenant, dans tous les cas, à l'époque, la question ne se posait pas. C'est-à-dire et là, on a un verset qui est terriblement dur à comprendre. « Ki lo tishtachave le el acher »« Ki Hashem kana shemo el kana hu » Littéralement, ça veut dire tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire, cette phrase? Elle veut dire qu'il y a un autre Dieu. Et qu'il ne faut pas se prosterner devant lui. L'homme Chanema. Qu'est-ce que la phrase nous dit? Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu. Est-ce que de là, on n'entendrait pas que la Torah admet qu'il y a un autre Dieu, juste qu'il ne faut pas se prosterner devant lui? Et si la Torah dit ça, c'est que l'autre Dieu... Si je te dis, ne va pas à Tel Aviv, c'est que j'admets dans ma phrase qu'il y a Tel Aviv. Mais je te dis de ne pas y aller. Mais moi, je croyais que le judaïsme était monothéiste.
Et là, on me dit, tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu. Et tu entends quoi par le Dieu, la lune, le soleil, les... Je sais pas, je m'en fiche. C'est pas important. Pour l'instant, je me concentre sur l'idée, Bichlal, qu'il est possible qu'il y ait un deuxième Dieu. Et tu fronces le sourcil. Pourquoi ? Parce que tu as appris que Shema Israël, Hashem Elanu, Hashem Echad. Alors comment tu comprends ce verset ? Comment tu l'as compris ? Shabbat à la synagogue. On l'a lu ce Shabbat. Ah, c'est couché. Qu'est-ce que t'en penses ? Dur, hein ? Askacha. Chidouche, les amis, le judaïsme est monothéiste. Pour de vrai. Ouais, je te jure. Mais oui, c'est important. Nous ne croyons pas qu'il y a plusieurs dieux. Aval, Yecholiot ken el acher. Il ne peut pas y avoir d'autres dieux, mais il peut y avoir une autre perception de Dieu. Ah, ça change tout. Eh oui. Lot ishtachave le el acher, c'est ce que nos sages de la Kabbalah vont appeler Asitra. Achara, ou en hébreu, atzad à acher, l'autre côté. L'autre côté de quoi ? De la pièce. De la pièce, et en l'occurrence ici, de Dieu. Le côté obscur. Le côté obscur de la force, Dixit, George Lucas, Shlita. Vous comprenez ? Dieu a créé le monde. Dans ce monde, il y a un côté, le côté de la lumière, le côté par lequel il veut qu'on le serve et qu'on le dévoile. On va appeler ça le bien, on va appeler ça les mitzvot, on va appeler ça toutes les ma'asim tovim. Et il y a un autre côté qui est aussi la création du Créateur, la création de Dieu, qui est Ara. Akadosh Baruch Hu Boré Ra. C'est ce qu'on dit dans le prophète, Shayahu. Qu'on a voulu censurer tous les matins. Ken, qu'est-ce qu'on dit tous les matins ? On dit Yotzer Or ou Boré Rocher, ou Se Shalom ou Boré Etakol. Mais dans le verset, on dit Yanni Hashem Yotzer Or ou Boré Ra. Donc c'est Dieu qui a créé ça. Lama, c'est son problème. Mais il y a une réalité où il y a des choses qui sont négatives dans ce monde. On appelle ça des avérotes. Le domaine de la Avera, qui l'a créé ? C'est Dieu. Zatzad à Acher. Et il ne veut pas que tu le dévoiles par le Tzad à Acher, même si c'est lui. Ça a été la grande erreur de Shabtai Tzvi. Shabtai Tzvi vient et dit, moi, je propose que comme Dieu il est présent partout, on le dévoile également dans les Averotes. Alors faisons plein d'Averotes. L'eau. Le Rav Kook, quand il voit que les pionniers ont lâché la Torah et construisent la terre d'Israël, il va expliquer qu'est-ce qu'il représente comme rôle pour la résurrection nationale. Mais lui, le Rav Kook, il n'abandonne pas les mitzvot. C'est-à-dire ? Et donc, ici, on dit « Lo tishtachave le'el acher ». Ok ? Parce que je ne veux pas que tu me serves par là. Mais je veux que tu saches que ça existe. C'est pas bon que ça existe. Elle m'a la saute. Dans 3 semaines, un peu plus. Non, 3 semaines. On va utiliser des stratagèmes pour dire que Baruch Mordechai et Arur Aman, c'est autant d'avant. On ne peut pas le dire comme ça, donc on est obligé de se. Un petit peu. Beaucoup. Passionnément à la folie, pas du tout. Parce qu'il y a une mala saute. Mais en vrai, Arur Aman, c'est Shlichut de la Kadosh Baruch Hu. Et Baruch Mordechai, c'est Shlichut de la Kadosh Baruch Hu. Ok ? Donc ici, il nous dit Lot Ishtachave Le'elach. C'est pas une autre divinité, c'est l'autre côté du divin. Vous dites quelque chose ? Oui. On dit dans la Torah, Dieu il a créé tout l'univers. Alors, je voulais te poser une question. D'après toi, les galaxies, les planètes, les systèmes solaires qui se trouvent à des milliards d'années-lumière de la Terre, c'est le monde futur ou c'est toujours le monde futur ? Non, c'est ce monde. Ah, j'étais persuadé que c'était déjà le monde futur. Si tu veux être exact, c'est plutôt le monde passé. Ah,
Parce que si tu veux me parler de science, eh bien, ce qu'on voit aujourd'hui des galaxies très lointaines, eh bien, c'est ce qui était il y a très longtemps. Eh oui, tu sais ce que ça veut dire, qu'il y a une planète qu'on a découverte à un millier d'années-lumière. Ça veut dire que la façon dont tu la vois, c'est comme elle était il y a 1000 ans. Et donc, si je te comprends bien, tu es pas le monde futur pour cette planète. Elle fait partie toujours de ce monde-ci. Elle fait partie de ce monde-ci. Je te dis, elle était même dans le monde passé. La meilleure machine à remonter le temps s'appelle le télescope. C'est-à-dire, on va faire de la science ce soir. פן תכרות ברית ליושב הארץ וזנו אחרי אלוהיהם וזבחו לאלוהיהם וקרא לך ואכלת מזבחו. Pourquoi tu dois pas faire d'alliance avec tes ennemis d'ici? Parce qu'ils vont t'amener à aller faire servir leur divinité à eux. Ah, il y a des divinités à eux. Non, il y a Elohim. Oui. C'est leur façon à eux de s'attacher au divin. Non, pas au divin. Si, au divin quand même. Avodah Zara, chez les goyim, c'est pas que des ch'touillottes. Mais Elohim, par exemple, Baal. C'est pas une autre face de Dieu. J'ai pas dit que c'est une autre face de Dieu. J'ai dit que c'est leur façon de s'attacher au divin. Oui, mais c'est des divinités qui ne sont pas divines. Encore une fois, ça veut dire quoi? La statue qu'ils ont, elle n'est pas divine, elle n'est rien du tout, c'est une statue. Mais le concept qu'ils ont de dire qu'il y a une force supérieure qui est la responsable des éclairs et de la pluie, en l'occurrence pour Baal. C'est Emet? Oui. D'où vient la pluie? La Kadosh Baruch Hu. Seulement, eux, ils ont fait un intermédiaire et ils ont arrêté. Ils ont coupé entre l'intermédiaire et l'origine. Donc c'est une erreur évidente. Mais c'est leur façon à eux de comprendre le divin. C'est qui est une façon erronée, encore une fois, mais c'est mal à ça. ולקחת מבנותיו לבניך וזנו בנותיו אחרי אלוהיהם ויזנו את בניך אחרי אלוהיהם. Quel est aussi l'autre grand problème? L'assimilation. Tu vas te marier avec eux, ils vont se marier avec toi. אלוהי מסכה לא תעשה לך. Donc tu ne vas pas faire un massacre à la Elohut. Un écran, un masque devant la divinité. Non, mais alors moi j'ai un problème avec le verset. Et lui, il m'a fait ça. Non, c'est ça. C'est ça. Enfin, parce que tout est avec l'eau négative, et puis ce verset, tu prendras leur fille, etc. D'un coup, c'est affirmatif. Non, c'est là. Il te dit pourquoi il ne faut pas ça. Pen tichot brit le yoshev haaretz. Si jamais tu fais ça, tu vas faire une alliance avec eux. Alors, vezanu achare Elohim, tu vas aller suivre leur divinité. Vezafru le Elohim, et tu vas aller faire des sacrifices à leur divinité. Vekara lecha vachalta mizifro, et tu vas aller manger autour de leur festin à eux. Velakarta mi benotav levanecha, vezanu benotav achare Elohim. Tu vois? C'est si jamais tu fais ça, voilà ce que tu vas faire. D'accord? Et là, et Hagamatzot, Tishmor. Qu'est-ce que vient faire ici Hagamatzot? Eh bien, attends, hein? Après, on te parle aussi de Hagashavuot. Et après, on te parle aussi de Hagasukot. Et de Shabbat? Et de Shabbat? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi est-ce qu'on a besoin maintenant de me parler des Chagim? Mes amis, c'est ce que nous devrons dévoiler la semaine prochaine. Chazak ou Baruch.